preskonference. Preskonference notiks divās valodās, daļa valodas latviešu un franču valodas zināma kopumā. Ja kāds nav paņēmis austiņas, tad mēs varam šeit. Franču valodā ir dzirdama kanāla numur 1, latviešu valodā kanāla numur 2. Tas sākumā es došu vārdu Pagaidu ministrijas valsts sekretāram Andrim Teiksmakungam. Pēc tam šeit sveicinieci Gabriela lai Nunci Sulpīdzeva kundzei un viņa beidzot Francijas sveicinieci Šantāla Poļa. Nunci. Bonjour, mesdames et messieurs, ambassadeurs, je suis très heureux de avoir la possibilité de partager mes considérations sur le thème de la semaine de francophonie aujourd'hui. Pas de problème, parce que selon un peu par contre, je suis là, parce que je vais être comme moi, avec Sauce Ramaus. Alors, moi, déjà, un peu d'esprit, je suis bien, qui est de la conférence par tuvojošos nedēļu, francophonijai veltīto nedēļu, kuru es īpašu pateicību gribētu izteikt mūsu valstī esošajām vēstniecībām, proti Beļģijas, Francijas, Grieķijas, Kanādas, Moldovas un Šveices vēstniecībām par viņu atbalstu šai skaistajai idejai rīkot šādu nedēļu, kuras laikā notiks daudz, patiešām daudz pasākumu, kā kinoseansi, lekcijas, koncerti, izstādes. Jā, es vēl vienādi tādīgi svarīgi valsts, Moldova. Moldova, kuras vēstnieks arī ir šeit, paldies viņam arī par šo te dalību. Es kaut kā tā kā nepasauc. Un es domāju, šī nedēļa nāks par labu patiešām visiem interesantiem, kuri interesējās par franču kultūru, par franču valodu. Latvija jau vairāk kā divus gadus ir starptautiskās frankofonijas organizācijas dalība valsts, kur mēs, ne dalība valsts, novērotāja valsts, būs ir precīzi, kur mēs kā novērotāja valsts pievienojāmies 2008. gada 18. oktobrī. Šī dalība mums dod iespēju ne tikai padziļināti apgūt to lielisko kultūras, literatūras un mākslas mantojumu, kas ir iespējams franču valodā, bet arī attīstīt mūsu ekonomiskos sakarus ar daudzām valstīm, kur franču valoda ir valsts valoda. Un tās ir ne tikai šīs valsts, kuras es šodien nosaucu, bet arī daudz Āfrikas valsts, kur komunikācija valoda ir franču valoda, un franču valoda zināšana mums dod iespēju vairāk attīstīt ekonomiskos sakarus. Kopā starptautiskajā frankofonijas organizācijā šodien ir 56 dalību valstis un 19 novērotāju valstis. Prezidentūra ir Šveicē. Mēs īpaši varam par pateicību novērtēt to ieguldījumu un atbalstu frankofonijas organizācija un arī tās dalību valstis sniedz Latvijai apmācot mūsu diplomātus, mūsu ierēģu zināšanas franču valodā, jo jau 6 gadus esot Eiropas Savienības dalību valsts un arī NATO dalību valsts. Šīs valodas zināšanas ir īpaši nozīmīgas piedaloties dažādos formātos Eiropas komisijā, dažādās komitejās, padomēs, Briselē un pēc šaubām Latvijas var darboties daudz efektīvāk, ja mūsu pārstāvjiem labas zināšanas franču valodā. Tāpēc arī mēs tuvākajā laikā gatavojamies parakstīt jaunu vai atjaunotu memorandu turpmākajiem trim gadiem ar starptautisko frankofonijas organizāciju, Franciju, Luksemburgu, Beļģijas franču valodīgo kopienu par
gribētu ļoti uzsvērt mūsu interesi parakstīt šo memorandu, parakstīt to pilnā apmērā, jo patiešām arī līdzinējā pieredze noteikti apliecina, ka šī programma ir bijusi ļoti efektīva un mūsu dažādi ministrija cilvēki, arī daudz mūsu diplomāti patiešām ir nopietni uzlabojuši vai arī atguvuši no jauna franču valodu. Vēlreiz gribu pateikties Francijas, Vietijas, Kanādas, Šveicis, Grieķijas un Moldovas pēcniecībām šeit Rīgā, kuras ir atbalstījušas šīs nedēļas rīkošanu. Mēs arī turpmāk ņemsim dalību Starptautiskajā frankofonijas organizācijā. Man pašām bija iespēja piedalīties pagājušā gada oktobrī Šveicē un frankofonijas samitā, kur starp tēmām, kas tika diskutēt šajā samitā, bija tikai franču valodu un kultūru, bet arī daudzas citas globālas tēmas vide, ekonomika un daudz kas cits. Tā kā es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka šī neparāk lielā summa, ko mēs arī iemaksājām, kā novērotāju valsts, frankofonijas organizācijām, kas ir tikai 10 000 eiro, un pilnīgi noteikti dod mums atpakaļ atgriež daudz lielākā apjomā zināšanas, gan valodas zināšanas, gan arī izpratni par to ārkārtīgi plašo, daudzveidīgo pasaules kultūras daļu, ko ir radījusi, kas ir radīta franču valodā runājošajā zemēs. Paldies, es visiem novēlu, tiešām aktīvi iedalīties šajā nedēļā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tiem es piedalīsies, šajā nedēļā būs noteikti ne tikai zināšana, bet arī paldies valsts sekretārām, tad es dodu vārdu Šveices prezidentei, kas ir frankofonijas valstu samitā valsts pārstāve. Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, mesdames et messieurs, nous vivons une époque de changement politique rapide et profond. Ainsi, le fait même que j'ai l'honneur de vous adresser aujourd'hui s'explique par un bouleversement politique. La Suisse a été désignée pays hôte du 13e sommet de la francophonie en remplacement de Madagascar, suspendu en raison d'un coup d'État. En octobre dernier, la ville suisse de Montreux était dans l'hôte patrouille de ce rendez-vous international de première importance. Le 13e sommet de la francophonie a été un succès. La présence de 38 chefs d'État et de gouvernement, de 1750 délégués et de 418 journalistes à Montreux met en évidence la place centrale qu'occupe la francophonie dans la scène internationale. Après avoir accueilli le sommet de la francophonie, il appartient maintenant à la Suisse d'exercer la présidence jusqu'au 14e sommet prévu à Kinshasa en octobre 2012. La Suisse entend exercer activement cette présidence. Elle s'attache notamment au suivi des décisions prises à Montreux, à l'accompagnement des processus de médiation et de règlement des crises politiques au sein de l'espace francophone et au renforcement institutionnel de l'organisation. Conformément à des objectifs de politique extérieure, la Suisse s'engage principalement au sein de la francophonie en faveur de l'amélioration de la sécurité humaine, du respect du droit international et des droits humains, ainsi que de la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Dans le cadre de ses responsabilités institutionnelles, la Suisse préside actuellement la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, la conférence
année aux célébrations de la fête de la francophonie. À l'étranger, ce ne sont pas moins de 100 ambassades et représentations en Suisse qui participent chaque année aux festivités autour du 20 mars en coopération avec les représentations diplomatiques d'autres États membres de la francophonie. À Riga, à l'occasion des Journées de la francophonie 2011, la Suisse a opté pour l'organisation d'une conférence sur l'œuvre de l'écrivain suisse Jacques Chessé et de la diffusion du film Home de la réalisatrice suisse Ursula Mayer. En espérant que ces présentations vous incitent à découvrir davantage la richesse culturelle de la francophonie, je vous souhaite, mesdames, messieurs, une excellente fête de la francophonie 2011 à Riga. Merci pour votre attention. Merci, madame. Tagad ir vārds Francijas vēstniecei, kur jūs iepazīstinās sīkāk par Anglofonijas nedēļas pasākumu. Merci. Je remercie chacun d'entre vous d'être ici et en particulier Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le porte-parole et tous les collègues membres de la francophonie présentés ici. La France ici est simplement pays coordonnateur de la semaine de la francophonie et c'est à ce titre que je vais m'exprimer et faire une présentation générale des activités ensemble des ambassades. Je voudrais remercier très vivement le ministre des Affaires étrangères, puisque pour la première fois cette semaine de la francophonie est placée sous son patronage. Le secrétaire d'État et ma collègue ont déjà dit beaucoup de choses, mais donc les pays membres qui sont représentés localement sont la Belgique, le Canada, la Grèce, la Moldavie, la Suisse et la France. Et comme chaque année, nous faisons beaucoup d'événements sur place, à Riga et en région, mais il y a aussi de nombreuses universités, établissements scolaires et autres institutions lettonnes qui participent aux festivités en proposant des manifestations à mieux faire connaître les pays francophones et à promouvoir la langue et la culture. Donc cette semaine sera célébrée dans de nombreuses villes de Lettonie, bien sûr à Riga, mais aussi à Livaja, Daugavpils, Jelgava, Ventspils, Valka, et à travers un programme très varié et très diversifié que je vais un petit peu vous détailler. Mais puisque mes collègues sont présents, s'ils souhaitent compléter sur un certain nombre de manifestations qui leur tiennent à cœur, je les remercie de prendre la parole après moi. Donc, nous aurons 9 films dans le cadre de cette semaine à Riga, et il y aura 6 films récents. Et donc, traditionnellement, la France, la Belgique, la Suisse et le Canada présente des films, et cette année, la Grèce présentera aussi un long métrage pour la première fois. Donc, pour la France, il s'agit d'un film sur Serge Gainsbourg qui s'appelle Vie ironique, qui est réalisé par Johan Spahr avec un certain nombre d'acteurs connus, dont Laetitia Casta. Je cite ce nom-là parce que je sais que tout le monde le connaît. Pour la Belgique, c'est Une chaîne pour deux, réalisé par Frédéric Le Doux en 2008. Pour la Suisse, ma collègue l'a déjà dit, mais je vous ferai un plaisir de le répéter, c'est un film réalisé par Ursula Meyer, Home, avec, entre autres, Isabelle Huppert. Je ne sais pas pourquoi je voulais la hache aspirée, c'est française, enfin bon. Et pour le Canada, c'est un film autobiographique réalisé par Ricardo Trilli. Il s'appelle 1981 et il a été réalisé en 2009. Un autre film canadien, C'est pas moi, je le jure, film réalisé par Philippe Falardo en 2008. Et pour la Grèce, comme je l'ai dit, c'est Rebetiko, un film réalisé par Costa Peris.
Alors, trois films seront diffusés à Daoulakis, un film français et canadien. Un film français qui s'appelle On connaît la chanson d'Alain René, avec Sabine Azéma, Arditi Dussolier, c'est assez connu. Pour le Canada, c'est Ce qu'il faut pour vivre, de Benoît Pilon, film de 2008. Et il y a aussi un film au de Congolais, Pièce d'identité, un film de 1998. Il y aura cinq conférences. Alors, l'une de Roland Brival, écrivain et musicien antillais de naissance, qui nous parlera des Antilles françaises, en prélude à plusieurs manifestations sur cette zone, qui seront présentées à l'automne prochain dans le cadre de l'année des Outre-mer en France. Ensuite, Michel De Fourny, qui est un conférencier belge très connu, nous parlera de la littérature de jeunesse et de son enseignement à l'université au cours de deux conférences, l'une à l'Académie de culture et l'une à la Faculté des sciences humaines de l'Université de Lettonie. Une autre conférence en présence de mon homologue suisse, donc comme elle l'a dit, sera consacrée à l'écrivain célèbre Jacques Chessex, seul écrivain suisse francophone à avoir obtenu notre prestigieux prix Goncourt, et enfin à la bibliothèque Parvanta de Venswils aura lieu une soirée thématique sur Serge Gainsbourg, samedi 19 mars. Nos amis canadiens proposeront quant à eux une exposition sur l'Arctique canadien du 16 au 25 mars à Daugavpils, et l'ambassadeur Scott Etherington introduira personnellement l'après-midi du 16 mars consacré à ce sujet. Alors, il y a aussi de la musique, parce que la langue française, comme toutes les langues, apprécie ce vecteur linguistique qui est la langue. Il y aura donc un concert du groupe Initial SG reprenant le répertoire de Serge Gainsbourg qui sera présenté une fois à Riga le 16 mars et une fois à Daugavpils le 17. Le groupe Free Cocktail donnera l'occasion au public letton d'écouter certains classiques du répertoire français le 18 mars à Liepāja. Enfin, l'école de musique Yanis Timzé de Valka proposera un concert intitulé Histoire musicale sur la France. Mais bien sûr, il y a aussi toutes les manifestations scolaires et étudiantes à travers tout le pays qui voit la préparation de nombreux établissements scolaires, d'universités, et bien sûr l'école française Jules Verne de Riga. Donc exposition, concours, spectacle, animation, tout ça va mettre en scène des scolaires, des étudiants, des enseignants de Lettonie qui montreront leur attachement à la francophonie. Alors je voudrais souligner en particulier le spectacle intitulé La nuit même par peur, qui sera donnée le 18 mars au musée du théâtre à 16h30 par les jeunes comédiens de l'Académie de culture. Ce spectacle a déjà été joué à Saran en novembre 2010 dans le cadre d'un projet culturel avec le théâtre de la Tête Noire de Patrice Boucher, qui sera d'ailleurs présent à cette occasion. Et surtout, je tiens à signaler, je remercie et je la remercie vivement, que le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Skys, viendra assister à ce spectacle, apportant par sa présence le témoignage de son intérêt pour cette semaine de la francophonie. Je voudrais aussi et enfin signaler six concours mis en place dans mon service de coopération d'action culturelle. Destinés principalement aux scolaires et aux étudiants, mais parfois à un plus large public, tel le fameux concours de la dictée.
Cette année sera mis en place un nouveau concours, celui de la chanson française, dont la finale se déroulera au lycée français dès ce lundi. Nous avons tous considéré que la chanson avait pris une telle place symbolique et même politique dans votre pays, qu'avoir appris la chanson française, c'était une façon de communier sur vos valeurs. Ce sera aussi la deuxième année qu'il y aura le concours d'affiches autour des pays de la francophonie. Je vous parle plus spécifiquement de ce concours, car ce sont les affiches des lauréats du concours de l'année dernière qui ont servi à illustrer la plaquette 2011 de la francophonie, dans laquelle vous retrouverez tous ces événements avec les lieux, les horaires et les dates exactes. Ce document, je l'ai entre les mains, mais vous le trouverez aussi à l'entrée. Surtout, prenez-le avant de partir. Consultez aussi le site de l'Institut français de Lettonie, c'est le nouveau nom, nous sommes les nouveaux noms de notre centre culturel, pour retrouver l'ensemble de ces manifestations. Je pense qu'on va le retrouver sur certains sites de mes collègues de la francophonie, bien entendu. Enfin, je voudrais une nouvelle fois remercier mes collègues, tous leurs collaborateurs, pour tous les efforts qu'ils ont pris à l'organisation de ces manifestations et pour la fourniture de l'eau destinée à récompenser les lauréats des différents concours. Certains lots sont de grande qualité. Alors, je précise aussi que certains films sont traduits, donc n'hésitez pas, même quand vous n'êtes pas francophone, à consulter le programme. Vous y retrouverez sûrement quelque chose qui vous conviendra. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine de la francophonie pour 2011 et en remercier encore une fois le ministère, le ministre et monsieur le secrétaire d'État qui a eu l'extrême gentillesse d'ouvrir cette conférence de presse. Merci à tous. Merci, madame. Je suis sûr que la semaine sera excellente. Tagad iespēja uzdot jautājumus vai izteikt kādus komentārus. Lūdzu, uzdodot jautājumu, lietojot mikrofonus un lūdzu stādīt priekšā. Nekādi jautājumi par šo nedēļu vai par frankofoniju. Kā tālāk. Man būtu jautājums par pieejamību, vai es dzirdēju tie pasākumi skolās, vai tas būs uz maksas, bet kā jau varbūt tas reizes jautājums par kino apmeklējumiem, cik nebūs pieejami, būs kādi ieejas maksas palīdzīgi, lai man to jāiepazīst smukta. En parler un peu plus. Je vois beaucoup de
Canadien qui dit rien, mais je sens que je n'ai pas. Je veux dire seulement que nous sommes. Merci. Je veux dire, comme remercier M. Taylor, merci pour le soutien. Et je pense que la question sur est-ce qu'il y a des. C'est nécessaire de payer pour les films, sont Besmax. Pour nous. Et je pense que c'est une grande opportunité de voir des films, de voir toutes les opportunités, les occasions de voir des films français, de voir des discussions de musique, toutes sortes de choses. Nous sommes très fiers qu'il y a beaucoup d'occasions de voir des choses à Valka, Liepaj, de tout le temps. Et finalement, je veux dire, Luz Pardies. Thank you.